Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Dixon Level et je suis en compagnie évidemment de l'Ange Bleu et de Kevin. Bonsoir messieurs. Nous sommes à Albuquerque, Nebraska pour WWE Raw. Dernier Raw avant Money in the Bank. Bienvenue dans le 15e épisode du mode univers avec deux personnages les amis. Et on commence ce Raw avec des pronostics. On va essayer d'aller vite pour vous faire un contenu assez léger. Alors du coup, Drago et moi-même vont représenter l'anarchie contre No Way Rosie, No Way Rosie et Rey Mysterio. Kevin, est-ce que tu penses que l'anarchie va bien représenter ou est-ce qu'on va se faire fumer ce soir? L'anarchie. Ok, l'ange bleu, est-ce que tu penses qu'on va réussir à battre Noé Rosé et Riré? Oui, bien sûr. Je vous rappelle qu'au dernier épisode, les amis, j'ai perdu 3 matchs d'affilée. Est-ce que pour cet épisode, je vais réussir à gagner? Ah, c'est là. On verra, on verra, on verra. On va pas. Donc là, déjà, on a gagné contre Noé Rosé et Rey Mysterio. C'est déjà bien, c'est positif. Tyler Breeze et Fandango, Breezango, les policiers, les justiciers. La police de la justice vont affronter les champions du monde d'Euro, Karl Anderson, Luke Gallows, The Good Brothers. Kevin, est-ce que tu penses que les Good Brothers vont réussir à battre les policiers ou les policiers vont choquer le monde? Les good Brothers. Ouais. L'ange bleu. Les policiers contre le Good Brothers. Ok. Et Fandango et Tyler Breeze, Breezango, les policiers ont réussi à battre les Raw Tag Team Champions. C'est pas. Buddy Murphy face à Drew McIntyre. Drew McIntyre étant évidemment champion du monde. Est-ce que Buddy Murphy va faire pareil que Breeze et Fandango, Kevin? Ok. Et non, ouais, Drew McIntyre a battu Buddy Murphy. Shayna Baszler, la championne de la NXT contre Nikki Cross dans un match de rivalité, les amis. L'ange bleu. Qui ça? Nikki Cross contre la championne de la NXT, Shayna Baszler. Ouais, Shayna Baszler, on va l'étouffer. Ouais. Kevin. Ouais, eh ben non! Nikki Cross a battu la championne. Je crois que les challengers ils sont en forme là aujourd'hui. Sami Zayn contre Ethan Carter. Personnellement, je vais dire Sami Zayn, même si j'adore Ethan Carter. Is he free? Kevin. Ouais, is he free? Et Sami Zayn a gagné. Mais en fait, les challengers, ils sont chauds. C'est un truc de ouf. The Miz, de retour dans le main game contre Ricochet. Kevin. The Miz. Yes. Et l'ange bleu. The Miz. Because he's The Miz. And he is... Oh, eh ben non. Son incroyable capacité, le fait qu'il soit extraordinaire, ne l'a pas sauvé du 630 car Ricochet a gagné. Finn Balor, The Prince versus The Almighty, The Challenger for Drew McIntyre, non, for Braun Strowman, pardon, à Backlash, Bobby Lashley, Balor Lashley, Kevin. Balor et l'ange bleu. Lashley. Et c'est Finn Balor. Merci Kevin. Et les amis, ça y est, on va savoir enfin le dernier nom, le nom final, la dernière femme qui va rejoindre le Money in the Bank Leader Match féminin.
il y a quatre femmes. Et parmi ces quatre femmes, il n'y en a qu'une seule qui va se qualifier pour le Money in the Bank Ladder Match féminin. Est-ce que ça va être Lacey Evans? Est-ce que ça va être Dana Brooke? Est-ce que ça va être The Raw Women Champion Natalya? Ou est-ce que ça va être la rockstar Ruby Riott? La réponse tout de suite. C'est parti pour le main event de Raw. Et on accueille la première underdog de ce match. Elle nous vient de la belle ville de Cleveland, Ohio, aux États-Unis. Mesdames et messieurs, mademoiselle Dana Brooke. Il y a quelques années, je disais que cette femme était la nouvelle Beth Phoenix. Je sais pas pourquoi je me suis dit ça, mais quand j'y réfléchis, je me dis ouais, c'est possible. Hein. Elle a la carrure en tout cas. N'est-ce pas, Kevin? Nouvelle Beth Phoenix, je suis pas sûr. Je suis pas sûr non plus. Après, après tu vois, faut voir. Ce serait une grande super star. Par contre, on en parlera dans le report demain, mais nouvelle champion de printemps, pourquoi pas? Pour moi. On continue avec la deuxième de ce match. On verra ça. Oh, elle est là. The Black Hearts. The Queen of Hearts. The Raw Women Champion. La Reine des Chats de Calgary, Alberta, Canada. Je le répète à chaque live et je vais me faire un grand plaisir de le répéter encore une fois. Elle est la fille du regretté Jim D. Enville Neidhart. Elle est la nièce de Bret de Hitman Hart. Et la femme du regretté Tyson Kidd. La reine des cœurs est dans la place. La championne du show, Natalya. Est-ce qu'elle va se venger de Sasha Banks? Est-ce qu'elle va avoir cette chance? La réponse dans quelques instants. On accueille du coup celle qui tente sa chance. On est parti. On accueille la troisième. Elle nous vient de Pond Island. Mesdames et messieurs, voici l'ancienne Marines américaine de Sassy Summerbell, Lacey Evans. La blonde est dans la place. The Woman's Right. Va-t-elle frapper une femme ce soir? Va-t-elle se qualifier? La réponse dans quelques instants. Je sais que Kevin d'ailleurs l'a pronostiqué. On verra si Kevin a eu un bon choix. Lacey Evans. Et on accueille la dernière. Elle nous vient de Lafayette, Indiana. Ruby Riott. Ruby Riott qui joue encore. Elle joue sa place. Va-t-elle réussir à choquer le monde? L'ancienne leader du Riott Squad. Va-t-elle choquer le monde et se qualifier pour ce Money in the Bank Ladder Match féminin? Va-t-elle probablement gagner, qui sait? Ça serait encore ouf. Ça serait la première fois. N'est-ce pas, Kevin? Oui. Dana. Oui. Natalya. Lacey Evans. Ruby Riott. Non, quatre femmes. Une opportunité en or. C'est tout de suite. C'est maintenant. Avec Lacey Evans contre Dana Brooke. Et la championne d'Euro, Natalya, contre Ruby Riott pour l'instant. Ça va très vite. Dana Brooke pour toi? Ok. Lacey Evans pour Kevin. Et moi, je suis pareil que Kevin, Lacey Evans. Ah, attention. Ouf! Dana Brooke qui vient de faire un de ses shoulder blocks à Lacey Evans pour qu'elle tombe à l'extérieur. Ouf! Pour l'instant, ça se passe. Ça se passe. Ruby Riott qui tente le premier de tomber. Ça fait un dégagement par Natalya. Allez, attention, attention. Ça change maintenant. Lacey Evans contre la championne.
et Dana Brooke contre Ruby Riott. Dana Brooke qui est en train de se vanter un peu, de provoquer son adversaire. Attention, slingshot suplex, magnifique. Russian leg sweep de Lacey Evans, ça va vite, ça va vite. Attention, air pull mat slam de Lacey Evans sur Natalia. Lacey Evans qui... Qu'est-ce qu'il va faire, Nat? Qu'est-ce qu'elle va faire, Lacey? Elle attaque Ruby, ouf. Oh, oh là là, ce combo d'Anna Brooke et Lacey Evans qui sont en train de s'associer contre Ruby Riott, la pauvre. Ouh, le takedown de Lacey. Lacey, elle a pas envie de rigoler ce soir. En même temps, elle a une opportunité en or. Que dis-je? Une opportunité rêvée pour son premier Money in the Bank ladder match féminin dans le jeu. Et son premier en réalité, parce qu'elle a eu son premier match pour ce titre, enfin pour cette mallette, je veux dire, au dernier Money in the Bank, qu'elle n'a pas gagné malheureusement. Mais voilà, c'est la vie, hein. C'est comme ça. Elle va peut-être le gagner dans le jeu. Ah ouais, probablement, qui sait. Faut déjà qu'elle se qualifie, n'est-ce pas Kevin? C'est ça. Attention, high angle suplex, German suplex dans l'autre sens. Ça va vite, ça va fort, ça frappe fort. Attention, le tomber Ruby. Ruby, elle va nous la faire à l'envers. Hein. Ruby, je sens qu'elle est prête à gagner. Hein. Et franchement, je sens que là, Ruby Riott, là, je sais pas pourquoi. Mais je sens que Ruby Riott, elle va nous faire un truc. Ou elle va nous la faire à l'envers. Elle va nous la faire en vitesse. Victoire en vitesse. Vous voyez ce que je veux dire? Genre le 1, 2, 3, mais en mode speed. Un délire. Allez, Dana Brooke qui donne du fil à retordre à Natalia. Alors attention, Natalia qui contre, Natalia qui projette dans les cordes, Natalia, ouh, back elbow, Natalia qui est pas très loin de son coup spécial comparé aux autres. Il y a Lacey Evans qui est pas mal. Lacey Evans qui est à quelques petits coups de son coup spécial. Ah, attention, ouh, le headbutt de Ruby. Dana Brooke qui la projette dans le coin. Oh, Natalia qui contre. Attention, Natalia qui écrase la tête de Dana Brooke. Ce que Kevin aime bien faire à ses adversaires. Oh, Shiny Wizard de Ruby Riott. N'est-ce pas, Kevin? T'aimes bien écraser les visages. Natty by Nature qui est pas passé. Attention. Oh, oh, oh. Lacey. Oh, Dude Buster de Lacey. Ah, va le faire, hein. Lacey va le faire. Lacey va le faire. Simplement deux. Oh, le power slam. Sale, sale, sale. Allez, attention, c'est sale ce power slam qu'elle a fait, la Natalia, là. Avec cette amplitude. C'était magnifique. Allez. C'était pas un power slam... comme Orton le fait par exemple avec la rapidité et tout ça, mais franchement l'amplitude elle était bonne et l'impact était assez violent. Alors, attention, ouf, c'est en train de se girl fighter entre toutes les quatre. Ouf, oh la manchette, la manchette de Ruby Riott sur Natalia là. Elle lui a mis une manchette. C'était d'une brutalité à toute épreuve. N'est-ce pas, Kevin? Ah, la brutalité, c'est pas ce qui manque. Attention, Ruby Riott qui pourrait choquer le monde. Non seulement faire le tomber sur Natalia, c'est-à-dire la championne de Raw, mais en plus se qualifier. Ça serait vraiment pas mal pour elle. T'en penses quoi, l'ange bleu? Ça serait énorme. Alors attention, Lacey Evans qui a son finish. Attention, Woman's Right. Attention, il peut partir à n'importe quel moment. Fais attention à Tyson Kidd. Il pourrait le prendre très très mal. N'est-ce pas, Kevin? Ah, mais il peut
Gudwitch. Attention, 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 c'est quoi ça? Ah, c'est une prise de soumission. Aïe, aïe, aïe. C'est contré par Lacey Evans. Oh, oh la droite. Ouh, le... Ouf, oh là là, le vitrigueur de Lacey Evans qu'elle a fait pour se débarrasser littéralement de Dana Brooke. Et là, ça va se jouer entre Natalia et Lacey Evans, visiblement. Oh non. Ah non. Ah non. Women's right sur Natalia. Sur Natalia. Sur Natalia 2. Sur Natalia 3. Lacey Evans. Lacey Evans. The Stacy Summon Pearl. Elle vient de frapper la tête de la Raw Women Champion. Elle vient de lui river les épaules, mais non seulement elle vient de river les épaules de la championne, les amis, mais en plus, elle se qualifie pour le Money in the Bank Ladder Match féminin, les amis. Oh mon Dieu! Natalia, attention à ton titre. Oh mon Dieu! Et la gagnante et la dernière qualifiée de Sassy Summer Bear, Lacey Evans. Vous y croyez au blond, les amis? Parce que là, franchement, à ce niveau-là, vu ce qu'elle vient de faire à Natalia, moi je dis c'est significatif. Hein. Ça sent la nouvelle championne. Je sais pas pour vous. On continue avec SmackDown, les amis. On continue avec SmackDown. Alors, Drew McIntyre contre le champion intercontinental. Ah, champion contre champion. Ah, pas mal. Pas mal. On a un petit champion contre champion à SmackDown Live. On est bien. N'est-ce pas, Kevin? Match de titre, enfin champion contre champion. Ouais, c'est, on est plutôt bien, on est plutôt bien. On a un petit match, sans souci. Bienvenue à la terre des opportunités. Bienvenue à WWE SmackDown Live. Et à SmackDown Live, nous sommes dans quelle ville, les amis? Nous sommes à Saint Petersburg, Florida, pour WWE SmackDown. Drew McIntyre contre The Intercontinental Champion Christian, champion contre champion. Eh, c'est la terre des, c'est vraiment la terre des champions contre champions là. On a Lizzie Dixon, championne des États-Unis, contre Sasha Banks, championne de SmackDown. C'est vraiment, je crois, le thème de SmackDown ce soir, c'est champion contre champion. Bailey contre Maryse, Billy Kay contre Asuka, Buddy Murphy contre Orton, ok, Andrade contre Aleister Black, le Shield contre les Hardy Boys, et on a des matchs en or, putain de merde. Dixon contre Lars Sullivan, mon dieu, j'ai peur. Zelina Vega contre Ember Moon, ok. Ok, Drew McIntyre contre Christian, j'adore les deux, titres. Mais je vais dire, j'adore Christian, c'est difficile de choisir. Allez, on va dire Drew McIntyre. Kevin? Drew McIntyre aussi. Ok. Et l'ange bleu? Drew McIntyre. Et c'est Drew McIntyre qui a gagné. Lizzie Dixon contre Sasha Banks, la championne des États-Unis contre la championne de SmackDown. Bah évidemment Lizzie, évidemment, évidemment, évidemment. Lizzie aussi pour moi. Bon, je suppose que l'ange bleu va dire Sasha Banks. Lizzie. C'est étonnant, c'était trop non. Eh ben non, Sasha Banks a gagné. Ok, Bailey contre Maryse. Ben, Maryse. J'aime bien les Québécoises. Bailey. Bailey pour Kevin aussi. Oui, Bailey. Et c'est Bailey qui a gagné. Asuka contre Billy Kay. Bon, Asuka, on va pas se mentir, les gars. Asuka, bah ouais, logique. Je l'adore, Billy Kay, mais non. Asuka a gagné. Buddy Murphy contre Randy Orton. Ah! Je sais pas. Je serais tenté de dire Buddy Murphy, mais c'est quand même Randy Orton en face. Donc, je vais dire Randy Orton.
Kevin? Je vais aussi dire Uncharted. L'ange bleu. Les Piper. L'ange bleu qui est en train de réfléchir. Orton. Randy Orton a gagné. Andrade contre Aleister Black. Ah, une histoire de famille, je pense. Andrade contre Aleister Black, moi je vais dire Aleister. Hein. Aleister. Ok, Andrade pour l'ange bleu. Et Kevin? Aleister Black. Ok, et non, c'est Andrade qui a gagné. Les Hardy Boys contre le Shield. Oh, mais les gars, vous me faites des défis comme ça, c'est difficile. Vous savez très bien, hein. Mon idole c'est Jeff Hardy, vous le savez quand même. Wow, c'est dur. Bon, je vais dire le Shield, mais voilà. C'est un pincement au cœur parce que j'adore les Hardy Boys quand même. Donc, le Shield. Ouais. Moi, je vais dire Chris Tyler. Non mais sérieusement, en vrai de vrai, le Shield contre Hardy Boys, contre les Hardy Boys. Sierra, Echo, Ninja, Nima, Delta, Shield. Ok, Kevin. Pareil, The Shield. The Shield, The Shield, The Shield. Ok, j'affronte Lars Sullivan. Oui, d'accord, je sais ce que vous allez me dire, je vais me faire démonter. Je sais. Oui. Je suis au courant, Lars Sullivan est beaucoup plus fort, beaucoup plus gros, beaucoup plus imposant que moi. Je sais. Mais c'est la première fois qu'on s'affronte, toi et moi, Lars Sullivan. Je vais donner le maximum. Si je perds, eh ben je perds. Tant pis. Mais au moins, je me serais battu jusqu'au bout. N'est-ce pas, Kevin? Ça veut rien dire. Hein. C'est très bien gagné. C'est parti. On verra. On verra. C'est parti. The former three-time North American champion is back. Yeah. What the... Yes. Tout à fait, je viens de Paris. 1m73, 64 kilos, l'élu des fans, le numéro 1, Dixon Lebel. Because every time I step up in this ring, I raise the level. And tonight, I will raise the level again against that man. Kevin, sauve-moi. Là, je suis rien pour toi. Ah mon dieu! Qu'est-ce qu'il est grand! Il nous vient des Rocheuses! Oh mon dieu! Il nous vient des Rocheuses! The Rocky Mountain! Voici le freak! Lars Sullivan! Un homme qui aurait pu devenir le plus grand heel de l'histoire du catch. Allez Vlas, je suis prêt. Je sais que tu vas me démonter, mais je suis prêt. Wouhou! J'ai sauté sur Lars, il m'a fait une pop-up. J'ai décollé pour un run. Oh, ouf! Allez, Shining Wizard! Allez, Lars, go! Get up, Lars! Get up! Wouh! J'ai pas peur de toi, Lars. C'est beau. Je vais faire ce que je peux. Get up, Lars. Allez, lève-toi. Ouf! Dropkick un petit peu foireux, mais c'est un dropkick quand même. Allez, on va faire un topé. Allez, la foule, je veux vous entendre! Top Canilla! Get up! La foule est en feu à St. Petersburg, Florida. En même temps, quand t'as un mec comme ça qui saute.
par-dessus la troisième corde, forcément, ça fait popper les gens. N'est-ce pas, Kevin? C'est ça, ça fait popper les gens. Comme jamais. Allez. Allez. Je sais que Lars Sullivan est lourd. Et en tant que cruiserweight, ce qui va faire la différence, c'est justement le fait que je sois un poids moyen, le fait que je suis rapide. Et c'est ça qui fait la différence en général. Soit Ethan Bomb, façon springboard, projection. Il est derrière sur le tablier. Hop. Voilà, regarde-moi ça. Regardez-moi ça, comment je massacre de freak. Comme jamais. On continue. Allez, on continue à grimper, on continue. Oh, c'est magnifique. Diving Senton Bomb. Et se dégage à zéro grâce aux cordes. Pied dans les cordes. Pied dans les cordes. Lars Sullivan. Oh, Lars Sullivan. Qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce... Ouf. Oh, le mur que je viens de me prendre, il vient de me... Why? Ouf, la droite. Ouf. Non, non, non. Ouf. Oh là là, il vient de me mettre une bûche. C'est pas une clothesline, c'est une bûche, le truc. Ouf. Oui. Allez, je me défends. Il faut pas que je laisse Lars Sullivan prendre le dessus. Sinon, c'est fini. L'arbitre, tais-toi. Déjà que je me bats contre un mec complètement taré. Donc tais-toi. Springboard neckbreaker. Allez, on va faire le diving down dropkick. À moins que Lars Sullivan veuille me contrer. Non, non, non. Lars Sullivan n'a pas voulu le prendre. Du coup, ben, c'est tombé au finish direct. Mais c'est pas grave. C'est un monstre. Headbutt. Allez, Sullivan. Lars Sullivan. Tu vas pas. Oh! Diving. Springboard double knee. Sur la nuque de Lars Sullivan. Oh, ça l'a. Oh, il a pas aimé. Oh, il a pas aimé. Il m'a lancé dans le ring. Mais il a pas aimé du tout. Oh, il a pas aimé. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh! Jackknife Powerbomb! Oh mon dieu! Sullivan sur la troisième! Sullivan! Diving Frog Splash de Sullivan! Vous y croyez? Moi j'y crois pas. Oh mon dieu! Il est en train de me piétiner! Mais qui a dit un jour à un homme de piétiner un autre homme, hein, Kevin? Oh, accordéon, non, c'est pas accordéon, c'est un autre truc. C'est canadienne. Ah, j'ai oublié le nom, tellement qu'il me fait peur, ce mec. Allez, Sullivan, donne-moi de la résistance. Allez, Sullivan, c'est pas normal que je te domine. Voilà! Voilà, Sullivan! Allez, mon gars! Fais-moi mal! Je suis auto-sadique! Hein, Kevin? Allez, Sullivan! Fais-moi mal! Fais-moi mal! Ouf! Il faut pas lui demander deux fois de te faire mal, hein! Allez, attention! Ouf! Oui, ça va. Je suis en train de me faire martyriser par un mec qui fait le double de mon poids, mais ouais. Tout va bien. Lars Sullivan. Oh! Sullivan a le coup spécial. Sullivan a le coup spécial. Sullivan. 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 Lars Sullivan, tu peux parler? Ouf! Attends, je me concentre là. Sullivan qui a pas envie de me finir, hein, visiblement.
Il est en train de jouer avec moi pour l'instant. Lars Sullivan, vous dites être un freak. Oh! Draco, je vais vous tabasser. Oh là 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 là. Tyler? Oui, tu veux affronter Lars Sullivan, c'est ça? Oh là 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 là. Lars Sullivan qui a son freak accident. Attention! Si jamais il me met son freak accident sur cette rampe, les amis, je crois que je vais finir blessé. Hé! Hey, on est à 7 là-haut! Je vais sauter. Je suis un mec complètement taré! Oh! Diving Meteora! J'aime lui sauter dessus! J'ai pas hésité une seconde. Je lui ai sauté dessus. J'en avais rien à foutre. Allez. Sullivan. C'est soit mon saut marche, soit Sullivan me contre et c'est la fin. Et ça passe. Ça passe, c'est carré. On continue. Avec un moonsault. On continue. On continue. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti, les amis. For the punishment. Go. Ça passe. Le tombé enchaîné. Personne s'est dégagé encore de ce finish, je crois, dans cet épisode. Et ça passe. Je viens de battre the freak. Avec The Punishment. Je l'ai puni. Bon, Sullivan. Tu as été bon. Tu m'as fait peur. C'est clair. Tu as failli me blesser. Mais pour l'instant, Jindermal a été meilleur que toi. C'est bizarre à dire, mais c'est vrai. Jindermal m'a réellement mis le doute. Alors que le Sullivan, il m'a mis le doute une fois. Vraiment une fois, c'est qu'on était sur les escaliers métalliques. Il aurait pu me tuer. Il mettait le freak accident sur l'escalier, c'était fini. Hein. Là, je me relèverai pas de ça. Eh ben, on a gagné contre Zelina Vega. Ok. On va passer à NXT, les amis. NXT. Qui est un beau show que j'adore, mené par Triple H, Shawn Michaels et William Regal. Alors, Lizzy Dixon contre Kayden Carter, Baszler et Shafir contre Bianca Belair et Mia Yim, Noam Dar contre Tommaso Ciampa, Finn Balor contre Shane Thorne, les Street Profits contre les Undisputed Era, Tyler Breeze tout seul contre Velvet in Dream. Match de rivalité. Drago et moi-même affrontons les Hardy Boys qui sont de retour au Full Sail Live. Ça a été énorme. Adam Cole contre Kushida. Et enfin dans le main event, Candice LeRae et Rhea Ripley encore une fois en équipe face à Io Shirai et Dakota Kai. Est-ce que Rhea Ripley va encore laisser Candice LeRae toute seule? Lizzy a gagné contre Kayden Carter. Shayna Baszler et Marina Shafir ont battu Bianca Belair et Mia Yim. Tommaso Ciampa a perdu contre le champion du Royaume-Uni, Noam Dar. Finn Balor a gagné contre Shane Thorne. Les Street Profits ont gagné contre les Undisputed Era. Taylor Breeze a gagné contre Velvet in Dream. On a gagné face aux Hardy Boys. Adam Cole a gagné face à Kushida. Et Rhea Ripley et Candice LeRae ont gagné contre... Io Shirai et Dakota Kai. Et visiblement, Candice LeRae a gagné toute seule. Parce que je sais pas si c'est un bug, mais non, ça. Je crois qu'il y a un bug. Non. Il y a eu un bug, ou alors Candice LeRae s'est encore retrouvée toute seule. Juste regarder dans les news, il a dû se passer un truc. Juste regarder vite fait dans les news, les amis, si j'arrive à les trouver, bien sûr. Il s'est passé quelque chose. Oui, l'agressivité entre les deux ennemis est sur le point d'exploser. Après un échange tendu, Rhea Ripley a tenté de rendre la monnaie de sa pièce
à sa rivale en effectuant un blind tag sur elle-même afin de regagner le match. Mais Candice LeRae répondit en attaquant et en la laissant seule sur le ring. Ah, c'est du coup c'est Candice LeRae qui lui a rendu l'appareil en l'abandonnant pendant le match. Et Rhea Ripley, elle a gagné toute seule contre Dakota Kai et Io Shirai. Ok. Ok. Donc là, du coup, la rivalité s'intensifie. N'est-ce pas, Kevin? Ah, ça s'intensifie de fou. Du coup, Candice LeRae, la semaine dernière, a eu le même cas. Elle a perdu. Et Rhea Ripley, tout seul, elle arrive à plier Dakota Kai et Io Shirai dans la même soirée. Non, mais d'accord. Megan Punk qui fait son retour sur le ring en équipe avec Rey Mysterio contre Velveteen Dream et Chelsea Green. Drew Gulak contre Tony Nese. Noam Dar contre Gentleman Jack Gallagher. The Revival contre Apollo Crews et Ricochet. Finn Balor et Owens contre Drago et Pete Dunne. Oh, très belle équipe. Mansoor contre Kushida. Et dans le main event, Gallagher qui recatch. Mais je crois que Gallagher en fait il est polyvalent. Il catch 500 fois dans le même show. Et Noam Dar contre la Lucha House Party. Alors du coup, oui, Rey Mysterio et Megan Punk ont gagné contre Velveteen Dream et Chelsea Green. Tony Nese et Drew Gulak ont gagné. Enfin, Tony Nese a battu le champion Cruiserweight. Noam Dar a battu Gallagher dans la première partie. Apollo Crews et Ricochet ont battu les Revival, qui sont toujours champions de SmackDown, pour la parenthèse. Finn Balor et Owens ils ont battu Drago et Pete Dunne en faisant le tomber sur Drago. Kushida a gagné contre Mansoor et enfin Kalisto. Ah, il s'est passé encore un truc. Wesh, c'est la tendance aujourd'hui, on laisse ses amis en plan. L'agressivité entre les deux ennemis est sur le point d'exploser après un échange tendu. Jack Gallagher a tenté de rendre. Ouais, c'est pareil. Donc du coup, Gallagher qui a laissé tomber Noam Dar en plein match. C'est ça en fait la mentalité 2020, si on laisse ses amis en plan. N'est-ce pas, Kevin? Comme toi, on te laisse en plein. Oh, on se calme. Ok, donc du coup, là, on va créer la carte de Money in the Bank ensemble, les amis. Donc c'est parti les amis, donc du coup on va mettre le premier match, donc les trois premiers kick-off les amis. Alors le premier kick-off ça va être un match 1 contre 1 pour finir la rivalité. Nous allons avoir Zelina Vega et elle va affronter Mickie James pour finir la rivalité. Mickie James, voilà, ça, c'est le premier match de la soirée. Ensuite, deuxième kick-off, nous allons avoir encore une rivalité. Asuka, qui représente les Kabuki Warriors, elle va affronter Billie Kay, qui représente les Iconic. Donc Asuka. Donc avec Kairi-san en manager contre Billie Kay. Billie Kay avec Peyton Royce en manager. Et en troisième, nous allons avoir un last woman standing match entre The Nightmare Rhea Ripley et The Queens of Candace. Candice LeRae. Donc, Rhea Ripley face à Candice dans un last woman standing match sympathique. Ensuite, dans le premier match du main show, juste ici, pour remplacer Lana contre Sasha Banks pour le titre de SmackDown, que le mettait le jeu. Nous allons avoir... carrément, ils ont mis Lana contre Sasha Banks. J'y crois pas. Bah non, mais je m'y attendais pas. J'ai rien contre Lana.
J'ai absolument rien contre Lana, mais c'est juste que ça me. Sur le moment, ça me choque. C'est tout. N'est-ce pas, Kevin? À SmackDown et au prochain Raw, ça va être les derniers shows du mois de mai. Ouais. Passer vite, hein. Ouais, c'est comme ça. Hein. Ensuite, donc là, c'est le. Merde, j'ai pas vu. C'est le cinquième match de la soirée. Bon, du coup, c'est un. Fatal Four Way. Fatal Four Way pour le titre intercontinental. Du coup, avec. Pour commencer, en premier, nous avons R-Truth. R-Truth. Notre ami R-Truth. Il va affronter Aleister Black. Donc vraiment, on a une belle carte ce soir pour ce Money in the Bank. Aleister Black. En troisième, nous aurons Andrade. Andrade. Il est où notre ami Andrade? Il est là. Et enfin, Christian. Notre ami Christian. Et évidemment, le titre est remis en jeu. Évidemment. Évidemment, évidemment. Et sachant qu'Aleister Black ce soir peut repartir avec la mallette et le titre intercontinental quand je viens d'y penser. Je viens à peine d'y penser, mais il est aussi dans le Money in the Bank Ladder match. Donc il peut repartir avec les deux ce soir. Hein. N'est-ce pas, Kevin? Kevin? Ensuite, sixième match de la soirée, match par équipe pour les titres par équipe de SmackDown avec Heavy Machinery qui sont les suivants sur la liste. Alors, Tucker Knight et Otis Dazovich. On va mettre Mandy Rose. Non, 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 on va pas mettre Mandy Rose. On va la laisser tranquille, Mandy Rose. On va mettre du coup les Revival qui sont les champions. Vont-ils perdre ce soir? Aïe, je sais pas. Faut voir. Déjà qu'ils sont plus là aujourd'hui dans la réalité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va vite. Alors C'est vrai, c'est pas ensuite, trop les bien. Ouais, ok. AOP. Les AOP, les amis. Les AOP. Akam et Rizar. Vont essayer, je dis bien essayer, de détrôner les champions du monde. Luke Gallows et Karl Anderson, The Good Brothers. Ça va être pas mal ça aussi, n'est-ce pas, Kevin? Ensuite, C'est quand les les deux matchs pour le titre Universal et WWE, avec le premier pour le titre WWE entre Randy Orton et Drew McIntyre, les amis. Ah, ça, ce match, il va être dur à pronostiquer. Ah, ce match, il va être dur. Il va être dur, il va être dur. Il va être dur. Randy Orton contre Drew McIntyre. Très très bien. Pour le titre de la WWE. Attention, Randy Orton qui joue pour son 15e titre ce soir à la WWE. Ensuite, pour le titre universel, il nous proposait déjà le titre nord-américain que j'ai perdu dans le dernier épisode. Jeff Hardy qui défendait contre Tyler Breeze. Non, les deux s'affronteront à NXT. Tout va bien. Et dans le match, du coup, j'ai dit à Backlash, mais non, ça va être ce soir. Ça va être Bobby Lashley contre Braun Strowman pour le titre universel dans un match de table. Les amis, on va mettre une petite stipulation, c'est quand même un pay-per-view. Donc, du coup, Bobby Lashley dans un match de table contre Braun Strowman. Ça va être pas mal, ça. Ça va être pas mal ce match. Ça va être un match de poids lourd. Tout simplement. De poids même très très lourd, je dirais même.
Ensuite. Le dixième match, les amis. Pour la première fois, nous allons avoir le Money in the Bank Ladder Match pour NXT avec 6 participants. Alors, du coup, alors pour NXT, on va mettre Ladder Match du coup. La mallette. Du coup, alors pour NXT. Alors, on va mettre du coup en premier Velveteen Dream. Velveteen Dream qui va être suivi de Johnny Gargano. Qui va être suivi par Keith Lee, suivi par Tommaso Ciampa, qui est le pronostic de à peu près tout le monde. Kushida en avant-dernier. Moi je dis Kushida. Et en dernier, l'underdog Michel Lex, dédicace à toi mon pote. C'est Michel Lex. Cette mallette les amis. Michel. Gestion du Money in the Bank. Attends, peut-être qu'il y a une option. Je suis con. Alors attendez, ne bougez pas. Qui est une option. Alors attendez. Let's go Michel. Il y a peut-être une option. Parce qu'en fait là quand je vais dans les options, ils me disent gestion de la mallette, tout ça. Alors attendez. On va trouver un bail, ne vous inquiétez pas. Alors attendez. Hop. Ouais. Ok, maintenant c'est une mallette quand même. De toute façon. Kevin. Ouais. Let's go, Michel. Alors Johnny Gargano. Ils sont en train de se battre les deux. calmez-vous. Let's go, Ciampa. Let's go, Michel. Non, Michel. Eh franchement, vous prenez les deux, les gars, vous avez un public à eux deux. Ah, c'est un délire. Allez, pour la mallette, du coup. Ensuite, avant-dernier match, Money in the Bank féminin. Ah, le Money in the Bank, les deux matchs féminins. Et en plus, il y a encore plein de matchs derrière. Du coup, le Money in the Bank, les deux matchs féminins, les amis. Je pense qu'en fait, il est déjà proposé quelque part, donc on va juste changer. Ah, il est dans le main event en plus. Ok, d'accord. On va personnaliser les participantes. Alors, du coup, on va mettre en première celle qui s'est qualifiée en première, c'est-à-dire Dakota Kai. En deuxième, on a Ronda Rousey. Ronda Rousey. Non. Que je salue, qui a une chaîne YouTube maintenant, Ronda Rousey. Allez la voir. Très belle chaîne YouTube. Nia Jax. En 3. Sonia Deville. Ah, Sonia Deville, notre combattante. Ensuite, en 5, on a Bailey. En 6, Lizzie, notre grande catcheuse.
en 7, Peyton Royce, qui s'est qualifié au dernier show. Et enfin, la toute dernière qui s'est qualifiée tout à l'heure, à la surprise générale, Lacey Evans. Voilà, donc ça, c'est votre main event, les amis. Regardez-moi ce match. Regardez-moi l'intensité de ce match. Waouh, c'est beau. Alors ensuite, dans le celui des hommes, on va également juste changer les participants. On va pas toucher trop à tout ça. Donc du coup, le premier qui s'est qualifié pour les hommes, c'est Apollo Crews. Apollo Crews qui m'a vraiment très très choqué pendant ce match. J'y croyais pas. J'y croyais pas mes yeux. J'ai été de retour au dernier rang. Aussi. Dolph Ziggler en 2. Ah, moi en 3. Ah, j'aime bien entendre mon nom. En 3. En 4, notre grand Kevin Payne national. En 5, notre ami Drago qui a battu, il me semble, son rival pour se qualifier. Je sais plus, je crois que c'est Jinder. Non, c'était pas Jinder. Je me souviens plus. J'ai perdu contre Jinder. Ouais. Shinsuke Nakamura en avant-dernier. Toi qui voulais un jour affronter Nakamura, tu vas être servi, Drago. Ouais. Et Daniel Bryan en dernier. Voilà, donc là, on a vraiment deux Money in the Bank Ladder Match. Vraiment très très sympa. Qu'on va pouvoir vivre. Et pour une fois, je ne contrôlerai pas mon personnage. Donc vraiment, ça va être une surprise. Je vais vraiment me lancer que dans le commentaire pour ces matchs-là. Ensuite Kushida. Comment ça Kushida Adam Cole? Depuis quand? Alors attends. Ouais, en façon. Alors attends, il y a 3, donc il y a 3. Hop. Ok, et là apparemment j'ai un match pour le titre des États-Unis contre Roman Reigns. Ok, pourquoi pas. Kushida, non, on va pas mettre Kushida Adam Cole du coup. Du coup pour ce match, on va mettre le match pour le titre NXT NXT par équipe du coup, parce que du coup il reste un match, donc du coup c'est un 2 contre 2 normal, et du coup c'est les Street Profit Champions je crois, donc du coup on va mettre N Despudidera en premier, parce que c'est comme ça. Du coup c'est Kyle O'Reilly, donc il est Kyle, il est là, avec Bobby Fish, et ils vont affronter Montez Ford et Angelo Dawkins. Les Street Profits pour les titres par équipe qui sont dans les mains des Street Profits, justement. Voilà, donc là, on a vraiment pas mal de matchs de titres. Je vais vérifier si tout va bien. Pour ce match, du coup, Kushida Adam Cole, on va l'enveler. Il y a le match, Noam Dar, il n'a pas d'adversaire. Et comme il est en rivalité avec Gentleman Jack Gallagher, on va lui mettre un match de titre. On va lui faire défendre sa ceinture dans un False Count Anywhere, dans un match où ils peuvent s'aventrer dans toute l'arène. Comme ça, les champions vont tous, quasiment tous défendre. Du coup, Gentleman Jack Gallagher contre Noam Dar pour le titre. Comme ça, les champions vont vraiment quasiment tous défendre la ceinture. Quasiment tous. Du coup, on va voir ce que ça donne pour la carte. Zelina Vega contre Mickie James, Asuka contre Billy Kay, Rhea Ripley contre Candice, Cesaro contre Goldberg contre Roman Reigns pour le titre des États-Unis, Aleister Black contre Andrade contre R-Truth contre Christian pour le titre intercontinental, les Heavy Machinery contre les Revival pour le titre par équipe de SmackDown, AOP contre les Good Brothers pour le titre de Raw, Orton contre Drew McIntyre pour le titre de la WWE, Bobby Lashley contre Braun Strowman pour le titre Universal, le fameux Money in the Bank Ladder Match d'NXT, le Money in the Bank Ladder Match masculin,
Gentleman Jack Gallagher contre Noam Dar pour le titre NXT UK dans un Falls Count Anywhere. Bobby Fish et Kyle O'Reilly pour les titres par équipe d'NXT contre les Street Profits. Et le Money in the Bank Ladder Match féminin. Here we go! C'est parti! WWE Network presents Money in the Bank. On y est. 15e épisode. Kevin et l'ange bleu. Oh, you ready? On est parti, on est à Hartford, Connecticut pour WWE Money in the Bank. Dans le kick-off, dans le premier kick-off, Zelina Vega contre Mickie James, c'est la grande finition de leur rivalité, les amis. Vega contre Mickie James. Kevin. Mickie James. L'ange bleu. Zelina Vega. Et c'est Zelina Vega qui gagne la rivalité. Bravo Zelina. Asuka contre Billy Kay. Pour la fin de la rivalité également. Asuka contre Billy Kay. Asuka. Clairement Asuka. L'ange bleu. Asuka. Et non, la surprise générale. Billy Kay bat Asuka. Est-ce que c'est grâce à la présence de Peyton Royce? Ah, peut-être. Rhea Ripley contre Candice LeRae pour la grande fin de cette rivalité, les amis. Aïe, 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 last woman standing, Rhea Ripley. J'adore Candice, mais désolé, mais Rhea Ripley, elle est très, très puissante quand même. Rhea Ripley. Et non, Candice, mais ce soir, vraiment, c'est surprenant ce soir. Candice LeRae qui gagne la rivalité. Ah, première défense de titre. Roman Reigns versus Goldberg. Goldberg versus Cesaro for the United States Championship. Qui repart de Hartford, Connecticut avec le titre des États-Unis, l'ange bleu. Reigns qui conserve du coup. Ouais. L'ange bleu qui a dit son jugement, Kevin. The Big Bang, Roman Reigns. Oh yeah. Et c'est Roman Reigns qui a conservé. Andrade Black Air Truth. Et Christian pour le Intercontinental Championship. L'ange bleu. Qui ça? Christian, Ertrou, Andrade et Aleister Black. Black. Black champion? Ouais. Ok. Kevin? Andrade. Ok. Et c'est Christian qui conserve. Christian qui conserve. Heavy Machinery contre The Revival. L'ange bleu. Heavy Machinery. Ah, nouveau champion. Nouveau champion. Attention, peut-être première... attends, ouais. Premier changement de titre dans la soirée, si c'est ça. Et moi, je vais dire The Revival. Ok. Et les Revival conservent. Vous avez eu peur, hein? À vous, vous avez eu peur quand même. Allez, on continue avec les Raw Tag Team Championship. Welcome, Resort! The Orders of Pain vont-ils arriver à battre The Good Brothers ce soir? La réponse, Kevin? L'ange bleu. Qui ça? L'ange bleu, est-ce que les Good Brothers vont encore rester invaincus ou est-ce que les Orders of Pain vont justement créer de la douleur aux Good Brothers? Good Brothers. Et à
attention, is a new Raw Tag Team Champions. Hey, come, we saw the AOP. AOPP? Arrête. Randy Orton va-t-il suivre le même mouvement que Rizar et Aiken, qui sont actuellement les seuls champions, enfin les seuls catchers, la seule équipe, les seuls challengers qui ont réussi à arracher les titres aux champions? Vont-ils, Randy Orton va-t-il suivre la même file face à Drew McIntyre pour le WWE Championship? Va-t-il réussir à avoir son 15e titre à la WWE et quasiment égaler John Cena et Ric Flair? L'ange bleu. Oui. Kevin? Randy Orton. Et non, Drew McIntyre confirme. Bobby Lashley, Braun Strowman. Oh yeah, for the Universal Championship. Dans un match de table. La seule manière pour que ces deux êtres, ces deux monstres parmi les hommes, surtout un, pour gagner ce match, il va falloir faire passer son adversaire à travers la table. L'ange bleu, qui va faire passer qui à travers cette table? Strowman va faire passer Lashley à travers la table. Et Kevin? Bobby Lashley. Oh oui. Et non, Braun Strowman a conservé son titre, colonel. On arrive au match Money in the Bank pour NXT. Je vais répéter les participants pour que vous les mettez en tête et que vous commencez à vous faire votre idée, les amis, derrière l'écran. Commencez déjà à liker, commenter, partager, abonnez-vous et activez la cloche surtout. Kifley, Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, Kushida, Velveteen Dream et Michel Lex. Une mallette, 6 hommes, une échelle. Il va falloir monter avec ses mains et ses jambes, attraper cette mallette qui a plus de 2-3 mètres de hauteur, l'arracher. Et là, vous pourrez dire oui, oui, je suis Mr. Money in the Bank. Oui, je peux mettre la pression à Adam Cole. Mais qui va être cet homme-là? L'ange bleu. Michel Lex. Ah, un underdog. Et Kevin? Répète les participants. Lee, Keith Lee, Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, Kushida, Velveteen Dream et Michel Lex, le prodige de Triple H. The Black Heart, Tommaso Ciampa. Ok. Et non! The winner and the first ever Mr. Money in the Bank of NXT is the master of the time, Kushida. Bah, c'est le nouveau Mr. Money in the Bank. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais Michel Lex, tu m'as déçu, hein. Eh les amis, je l'ai dit, je ne vais pas contrôler mon personnage, les amis. C'est-à-dire qu'on va totalement commenter ensemble. On vient de franchir les 1h03 de vidéo, les amis. On a bientôt terminé, vous inquiétez pas. Mais soyez là, profitez. C'est Money in the Bank, les amis. Et tous ces hommes-là vont se déchirer la poire pour une chose. Une chose. La mallette. Est-ce que ça va être Cruz? Est-ce que ça va être Ziggler? Est-ce que ça va être moi? Est-ce que ça va être Kevin? Est-ce que ça va être Drago? Est-ce que ça va être Black? Est-ce que ça va être Shinsuke Nakamura? Ou est-ce que ça va être Brian? La réponse, maintenant. Ça va être Brian. C'est parti les amis, c'est party. Here we go. On verra. Et on accueille le premier. Qui rentre en premier. L'homme qui est actuellement invaincu. Il représente l'anarchie. Il vient de Paris en France. Mesdames et messieurs, on le surnomme
The Madman, Kevin Payne. Il est invaincu actuellement, 3-0. Va-t-il non seulement continuer sa streak, mais en plus devenir pour la première fois de sa carrière Mr. Money in the Bank 2020? La réponse dans quelques instants. En tout cas, ça ferait beaucoup de bien à ta carrière si tu deviens Mr. Money in the Bank. C'est vrai. Ça te ferait du bien. Avec tous les participants qu'il y a, ça va être très dur. Surtout Ziggler, hein. N'oubliez pas que Ziggler est un gros spécialiste, Brian également. C'est vrai. Le motard. Le bruit du motard. Le motard arrive. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le deuxième à se présenter pour ce Money in the Bank Ladder Match masculin. Il y a une grande légende, fut un temps, un dragon polonais fut endormi pendant des millions d'années, voire des milliards d'années. Et ben, il s'est réincarné en un homme. Il représente l'anarchie et nous vient de la belle ville, la capitale polonaise, Varsovie. Voici Drago. Le dragon polonais va-t-il honorer sa légende? Va-t-il encore plus devenir légendaire en devenant pour la première fois également de sa carrière Mr. Money in the Bank, ce qui lui ferait également beaucoup de bien. L'anarchie est divisée, comme on dit, divisée pour mieux régner ce soir. C'est un vieux dicton qui dit diviser pour mieux régner. Mais on verra si ça va nous servir. On verra ça. Et on accueille le troisième membre, le leader de l'anarchie. Le seul, l'unique, l'élu des fans, Mr. 971, the El numero uno de Paris en France. L'ancien 3 fois champion du monde américain du Nord. Voici Dixon Livo. Également, ça sera ma première mallette si jamais je gagne. Et croyez-moi, un certain Drew McIntyre, oui, je le dis, un certain Drew McIntyre a intérêt à se préparer si je gagne. Parce que je vais pas le manquer. Parti. Kevin. Ah, let's be black. Kevin, il est là. On accueille le quatrième participant. Il a eu une chance pour le titre intercontinental tout à l'heure, mais il n'a pas réussi à le gagner. C'est sa dernière chance de briller ce soir à Money in the Bank. On a 3 Parisiens dans le ring, sauf Drago, qui est d'origine polonaise et russe. Aujourd'hui, on accueille un Hollandais d'Amsterdam, Netherlands, The Black Master, Mr. Aleister Black. Paris, Pologne, Amsterdam, oh yeah! On a du bon ce soir, n'est-ce pas Kevin? Très lourd. Il est là! Le premier underdog de cette soirée, the former Money in the Bank ladder match winner, the former five-time intercontinental champion, former two-time WWE champion, the show stealer, the show off, Dolph
Ziggler. Ça va être très dur. Dolph Ziggler est un spécialiste. Ça va être l'un des premiers à monter sur cette échelle. Il va falloir l'empêcher à tout prix. S'il faut lui casser une jambe, on lui cassera une jambe. Faut pas qu'il monte. Si jamais il monte, c'est foutu. N'est-ce pas, Kevin? Ah, c'est foutu. On accueille le suivant. Il est là. Mesdames et messieurs, voici le suivant. The King of the Strong Style. Il nous vient de Kyoto, Japan. Voici the artist known as Shinsuke Nakamura. Amérique, Hollande, Paris, Polonais et maintenant le Japon. On a l'international, on a l'Europe. Vive le monde, bordel, n'est-ce pas, Kevin? Ah, vive le monde. On a vraiment tout dans ce match. On a tous les pays. On revient dans l'Amérique. On a que le premier qualifié. The Sonoma de Georgia. Mesdames et messieurs, Apollo Crews. Vous savez, un jour, un Apollo a marché sur la lune. Lui, il marche, il vient, il tabasse, mais sur un ring. Apollo Crews est là. Un très grand underdog pour ce match, n'est-ce pas, Kevin? Là, il a toutes ses chances. C'est le premier qualifié, hein. Attention. Attention. Et il nous manque quelqu'un. Et il est là. Lui aussi est un danger. Lui aussi va lui casser les jambes. Le dernier nous vient d'Aberdeen, Washington. On le surnomme The American Dragon. Le gamin préféré de Washington. L'ancien champion du monde. Daniel Bryan. L'homme qui aime la nature. Le vegan par excellence. Il va falloir lui casser les jambes, les gars. Sinon, il va monter, il va gagner. C'est parti, les amis. On va vite savoir qui va être Mister ce soir. Shinsuke Nakamura contre moi, Apollo Crews contre Daniel, Kevin contre Dolph Ziggler et Aleister Black contre Drago. Allez. Allez. Oh! Magnifique sentence splash de Drago sur Black. Ça va vite, les amis. Qui va devenir Mister Money in the Bank ce soir? J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte de le savoir. N'est-ce pas, Kevin? J'en suis sûr que toi aussi t'as hâte. Ouais, ça va être un gros match. J'espère que Kevin va gagner la valette. Hein. Allez, 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 allez. Bah, ça serait bien que l'un de nous, je serais content pour vous si vous le gagnez, même si moi je le gagne pas, mais je serais content. J'avoue que je serais très content si l'un de vous deux le remporte. Moi, si je gagne le match, je caching sur Jeff Hardy. J'ai envie d'être champion d'Amérique. Tu peux pas, t'es seul champion du monde. Seul champion universal, et c'est tout. Dans le jeu, là, il n'y a pas les nouvelles options. Ouf! Ouais, je cache sur dans le champion universal. Sur Braun Strowman, mais t'es fou! Tu veux qu'il te tue ou quoi? Mais en vrai, c'est possible. En 2011, Braun, il avait bien caché sur Big Show. Mais oui, mais il était affaibli, Big Show, il était KO. C'est pas pareil. Ouais, mais voilà, il fait pareil avec Braun Strowman. Il attend que ça KO. Bien KO. Mais Braun Strowman, c'est pas le Big Show. Quasiment. L'ancien Big Show, parce que là, il est pas beaucoup. Ouais. Allez, les amis. Il y a déjà une échelle qui est sur le ring. Mais elle est pas montée.
qui va la mettre en place, qui va décrocher cette mallette très importante. Faites vos pronostics, faites vos jeux. Pariez. Allez. Rentrez dans la team anarchiste. Allez-y. Likez, commentez, partagez. Activez la cloche. Et si vous voulez participer, au report, je vous contacte l'animateur Chris Taylor. Avec plaisir. Je vais là. Mais toi aussi, ils peuvent te contacter, hein, même Kevin. Allez. Ah bon, c'est ça. Oui. Attention, Nakamura Kalamash. Nakamura Kalichel. Nakamura. Nakamura. Va-t-il être le premier à monter? Oui, c'est le premier à monter. Kevin Payne qui le suit de près. Attention! Nakamura! Nakamura! Qui se bat avec Kevin sur l'échelle. Suivi de près par moi et Black. Black qui arrache le japonais de l'échelle. Ziggler qui m'attaque par derrière, ce salopard de Ziggler. Qu'est-ce qu'il a? Black. Kevin Payne qui est le premier à toucher cette mallette de ses propres mains. Arrêté par Black. Attention, ça se bat sur cette échelle. Daniel Bryan qui essaie d'arrêter Kevin. Et Black il a la mallette. Hein. Oh, Drago qui a réussi à stopper Black. Heureusement, Black est perché à 2 mètres de haut. Attention. Oh, Electric Chair de Shinsuke Nakamura. Apollo Crews qui a mis un double dropkick sur Ziggler et Daniel Bryan. Attention, Norton Lock Suplex de Apollo Crews. Allez, 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 allez. Kevin Payne qui est donc le premier à toucher cette mallette de ses propres mains. Ça, c'est un signe en général. N'est-ce pas? On verra ça. Voilà, on verra ça. Aleister Black qui a réussi à la faire bouger quand même. Hein. Faut noter ça aussi. Moi, j'en suis où, moi? Toi, t'en es à ce que t'es plus le genre de mec pour l'instant à jouer avec les autres pour l'instant. Kevin, tu caches une sur qui si tu gagnes? Alors, Stroman et l'autre, c'est McIntyre, tu sors. C'est ça. Ouais. Ouais, je pense sur McIntyre. Ouais, pareil, McIntyre. J'adore Strowman, mais faut pas abuser. J'ai fait 64 kilos, il en fait 3 fois plus que moi. Faut pas abuser. Le pire, c'est que c'est quasiment vrai, quoi. McIntyre, ça va, il fait juste le double. Enfin, un peu moins, mais bon, tu m'as compris. Ouais. Allez. Daniel Bryan qui frappe Shinsuke avec cette échelle. Daniel Bryan qui place cette échelle. Daniel Bryan qui relève Shinsuke Nakamura. Kevin Payne qui se dirige encore une fois sur cette échelle. Attention, il a la mallette. Il a la mallette. Kevin Payne 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 a la mallette. Shinsuke Nakamura qui a compris. Kevin Payne qui est perché là-haut. Attention. Aïe, 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 la chute va être dure. Aïe, 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 la chute. 2 mètres de haut, ça fait peur, ça fait mal surtout. N'est-ce pas, Kevin? 2 mètres, c'est pareil. Ça fait quand même très mal. Aïe, 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 il y a plein de catcheurs là qui sont très, très mal, notamment Kevin Payne, Daniel, Bryan, Aleister Black, moi... Et Nakamura qui sont très très mal niveau barre de vie. Aïe 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 aïe, ça va être critique. La mallette est à la moitié de sa jauge. Ça veut dire que il y a très très forte raison que le premier qui va encore une fois monter sur cette échelle, qui va être tout seul, qui va arracher cette mallette, risque de devenir le nouveau Mr. Money in the Bank Super Jump and Suplex. Oh mon dieu! Drago qui vient d'arracher la tête de Kevin Payne avec un super German suplex du haut de la troisième corde. Oh mon dieu!
Bah oui, je te dis toi. Tu viens de mettre une German suplex démentielle à ton partenaire. C'est une honte. Pardon. Écoute, c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. Oh mon dieu, mais t'es retombé sur ton crâne. Il aurait pu te tuer. Oh, Nakamura qui vient de m'arracher la boîte crânienne. Oh mon dieu. Mais pourquoi tant de violence? Pourquoi? Allez. Allez. Oh! Allez. Pauvre Drago, ils sont à 3 sur lui. Ziggler, Bryan et Kevin Payne qui se mettent à 3 sur Drago. MDR. Alors, Kevin Payne, qui est visiblement n'a pas du tout aimé cette German Suplex. Il lui a fait comprendre. Alors attention, Kevin Payne qui attaque Apollo Crews. Kevin Payne qui attaque Apollo Crews. Mais Aleister Black qui monte. Je vous ai dit, les prochains qui montent et qui attrapent cette échelle, c'est fini. Il reste 3 barres de jauge. Autrement dit, le prochain qui monte gagne la mallette. Allez, Draco, monte là. Attention. Drago qui, encore une fois, balance Kevin Payne par-dessus la troisième corde. Au final, Drago contre Dixon Evil dans le même ring. J'ai l'échelle dans les mains et je vous jure que je ne contrôle pas. La manette, elle est posée loin de moi. Attention. J'ai la mallette entre les mains, les amis. Et je vous jure que je ne contrôle pas. J'ai failli gagner. Sauf qu'ils se sont mis à 6. Dites-vous bien, ils se sont mis à 6 pour déplacer l'échelle. Vous imaginez à quel point ils ont peur que j'ai la mallette. Vous imaginez? Ils se sont mis à 6 carrément. Les fous. Kevin, pourquoi t'as déplacé l'échelle? Et le prochain qui monte, c'est le Mr. Money in the Bank. Et ça va être Ziggler. Empêchez-le. Daniel Bryan. Oh. Aleister Black qui l'arrache par le slip. je vous dis. Par le slip. Drop hold. Ziggler se protège. Ziggler. Super kick, c'est contré. Kevin Payne qui va virer Ziggler. Il a tout compris. Dropkick sur Daniel Bryan. German Suplex, il a tout compris. Daniel Bryan contre Kevin Payne. Daniel Bryan qui... Daniel, c'est Daniel. Attention, Daniel. Mais empêchez-le. Frappez-le, allez. Daniel Bryan, the winner of the 2020 Mr. Money in the Bank. It's Daniel Bryan! Oh mon dieu! The American Dragon realize the American Dream again! Deux fois Mr. Money in the Bank pour Bryan. Et la question que tout le monde se pose, contre qui va-t-il cacher? Et ça, on le saura un peu plus tard, évidemment. Let's go, Lizzie, t'es le dernier, mon frère, s'il te plaît, gagne. Wouh! On se remet de nos émotions, les amis. Gentleman Jack Gallagher contre Noam Dar, the Scottish Supernova number 11, Noam Dar, qui défend son titre contre le Gentleman Jack Gallagher. Kevin? Conserve, ok, l'ange bleu. Noam Dar. Ok, c'est Noam Dar qui conserve. Pour l'instant, il n'y a que les AOP qui ont réussi à récupérer les titres. Et on continue avec l'avant-dernier match avant le dernier main event. Kyle O'Reilly and Bobby Fish and the Undisputed Era vont-ils avoir leur moment Undisputed
en récupérant les titres pour la quatrième fois de leur carrière. Ça ferait le nombre de titres le plus important d'NXT contre les Street Profits. La réponse, Kevin? Undisputed Era. Undisputed. Et l'ange bleu? Era. Ok. Et non, conservation des champions. Et on y est, les amis. On y est. Le main event. Tout comme les hommes, on va avoir, on va transpirer, on va kiffer, on va gueuler. Et c'est parce que c'est le main event. Oh oui. Dakota Kai, Ronda Rousey, Nia Jax, Sonya Deville, Bayley, Lizzie Dixon, Peyton Royce et Lacey Evans. Elles vont toutes s'arracher les cheveux pour une mallette. Qui va succéder à Daniel Bryan? La réponse tout de suite. Et on accueille la première. La première, elle nous vient de Sioux Falls, New Jersey, Mademoiselle Sonya Deville. Une femme qui va d'ailleurs catcher ce soir à SmackDown en équipe avec le beau gosse Dolph Ziggler contre Otis Dozovich et Mandy Rose. Sonya Deville. Sonya Deville qui rentre en première, la combattante de MMA. Pour ce match, je pense que vous vous en doutez, je vais contrôler Lizzie. Je pense que vous vous en doutez. Mais c'est pas parce que je vais la contrôler que je vais forcément gagner. On l'a bien vu, au dernier épisode, j'ai perdu 3 fois. Et pourtant, je contrôlais. Donc, ça veut rien dire, les amis. La deuxième, de San Jose, California. Bayley. Ancienne Mr. Money in the Bank. Elle est dangereuse, attention. N'est-ce pas, Kevin? Excusez-moi, les amis. Je ne suis pas tout seul dans cette maison. Je pense que vous le savez depuis le temps. Du coup, on accueille la troisième. Une force irrésistible. Pas que pour sa beauté, mais surtout pour son agressivité. De San Diego, California, Nia Jax. L'ange bleu. Est-ce que Nia Jax va le faire? T'y crois, toi? Non. Kevin, tu penses? Nia Jax? Ouais. Je pense qu'il gagnera. Tu penses? Je pense qu'il y a une possibilité. Ouais. Dit comme ça, c'est possible. Hein. Attention. Hein. Daniel Bryan qui a choqué le monde il y a quelques minutes. Daniel Bryan, j'y crois pas. Et on accueille celle qui nous vient de Paris en France. The first ever United States World Women's Champion. The Alpha Warrior. The Muay Thai Specialist. Lizzie Dixon. Elle vient gentiment avec son titre, histoire de narguer les adversaires. J'ai un titre. Allez. Oh purée. Kevin. Elle est là. The Badass. Elle nous vient de Venice Beach, California. The
baddest woman of the planet, Ronda Rousey. Décidément, on a trois combattantes dans le même match. Ça va être brutal, n'est-ce pas, Kevin? L'underdog est là! L'underdog est là! Et là, les deux, je vous entends gueuler. Because sa jeune copine Billy Kay a gagné. Est-ce que Billy Kay va inspirer Peyton? Car vous le savez, elle représente le futur. Elle représente le futur de la division féminine. Et avec ces deux jeunes demoiselles, vous le savez, le futur. Et Iconex. N'est-ce pas les deux? Iconex, c'est ça. Peyton Royce va-t-elle choquer le monde comme Daniel Bryan? La réponse est dans très peu de temps, les amis. En tout cas, Peyton Royce, Mr. Money in the Bank, ça serait vraiment une grosse surprise. Moi, je vous le dis. Maintenant, on accueille une représentante de NXT. La toute première qui s'est qualifiée. La capitaine de l'équipe des coups de pied. The captain of Team Kicks. Dakota Kai d'Auckland, New Zealand. Elle nous vient d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Dakota Kai, qui n'est plus aussi gentille qu'elle était avant. Aujourd'hui, c'est une peste. Bon, avec tout le respect que je te dois, Dakota, évidemment. Ah, la dernière. La favorite pour Kevin, je pense. Et la dernière de ce Money in the Bank, les dans match. Elle a gagné sa place ce soir en première partie du show. Elle nous vient de Nord... Enfin, de la Caroline du Nord, pardon. Voici de Stacy Sommerbell. Lacey Evans. On avait besoin de beauté. On avait besoin de blonde. Et ben, on est servi. N'est-ce pas, Kevin? On avait besoin de quelqu'un qui... Que vous mettez en place. Quelqu'un de... Ouais, une capitaine des Marines. On a besoin des directives. Quelqu'un de dur, tu vois. Ouais. Allez, ce match commence. Oh putain! Oh mon dieu! Ça va être dur. Ça va être dur. Ouh! C'est le main event of the evening, les amis. Attention, Lizzie contre Bailey. Ronda Rousey contre Sonya Deville. Dakota Kai contre Nia Jax. Et... Sonia Deville, Peyton Royce contre Lacey Evans. Je vais y arriver un jour. Je suis tellement chamboulé que Daniel Bryan a gagné que je ne sais plus quoi dire. Je suis chamboulé. Allez. Bailey qui veut garder Lizzie à l'extérieur. MDR. Allez, attention. Eh hey, doucement. Doucement, doucement, Ronda Rousey. On se calme, mademoiselle Rousey. Tout va bien. Alors attention, Hammerlock DDT. Nia Jax, qu'est-ce qu'elle veut, Nia Jax? Oh, ça fait mal, ça, les coups de boule. N'est-ce pas, Kevin? Surtout venant d'une Samoane. Moi, je vais lui apprendre, moi, à mettre des coups de boule. Voilà. Voilà. Ouh. Ça, ça s'appelle un lancer franc. Elle vient de balancer Lizzie. Oh. Russian leg sweep sur Dakota Kai. Il y a déjà une échelle dans le ring.
qui n'est pas posé. Spinebuster à l'extérieur. Lizzie qui est en train de tabasser Dakota Kai. Les deux ne se sont jamais affrontés, il me semble, encore dans ce mode univers. C'est la première fois qu'ils sont face à face, l'une contre l'autre. Comme quoi, des fois, les matchs comme ça servent à quelque chose. Peyton Royce tout seul. Eh, oh, 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 attends. Oh. On va se calmer, tout va bien. Lacey Evans qui est toute seule avec Peyton Royce dans le ring. Bailey qui vient d'arriver dans le ring. Je crois que je t'ai pas vu, Bailey. Petite fouineuse. T'as voulu monter sur cette échelle? Je la vois, elle arrive comme ça, toute mignonne. Elle monte dans le ring. J'ai wesh. Hein? Oh! Oh! On va déblayer cette échelle avant d'avoir des problèmes avec. Aïe, 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 contre. Ah, sur l'échelle. Elle pense à la même idée que moi, je crois. Ouf, oh lolo. Oh, comment elle m'a foncé dessus, Nia Jax. Oh mon dieu. Sur cette échelle. Aïe, 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 aïe. Oh. Oh. Ouf. Ouh. Et les Seven Sky vient de bouffer. Oh. J'ai été obligé de faire pause, les amis. Je suis désolé, mais là. Wow. Ah, le running bulldog à travers l'échelle. Oh mon dieu. Oh, sa tête. Oh, les amis, je suis choqué. Oh mon dieu. Le pire, c'est qu'elle se relève normal, Lacey Evans. Ça vient de se bouffer un running bulldog sur une échelle. Elle se relève normal. Ah ouais, Kevin, tu t'imagines ou pas le délire? Kevin qui, je crois, en peut plus. Il est lui-même choqué. Allez. Nia Jax sur la troisième corde, mais qu'est-ce qu'elle fout là-haut? Elle est folle. Hein. Alors, les amis, ça se bat, ça se bat, ça se bat, c'est le carnage. C'est le girl fight. Bailey qui vient de frapper Nia Jax avec cette échelle. On monte. Non, on va pas tomber dans le piège. Allez. Mais oh, 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 oh. Non, Bailey. T'as déjà eu ta chance pour cette mallette, Bailey. Il faut passer un petit peu le flambeau, Bailey. On se calme, Bailey. Jack Daniel Bryan a gagné, c'est bon, hein. C'est bon, les anciens champions, hein. Oh, se calme, hein. Il faut laisser la place aux jeunes, quand même. N'est-ce pas, Kevin? Et franchement, là, ce match, il va être long, les amis, je vous le dis. Elles sont pas prêtes. Oh, non. Oh, Woman's Right sur Lizzie. Je pense que Lizzie, elle va pas du tout aimer. Oh non! Se faire frapper comme ça au visage, elle va pas du tout aimer! Oh non! Elle va payer cash, Lizzie! Elle va payer cash! N'est-ce pas, Lizzie? Sauf que Sonya Deville ne veut pas.
Sonny Neville vient de balancer par-dessus la troisième corde. Mais c'est 25 et tu vas payer un jour. Si ce n'est pas un jour, c'est maintenant. Si ce n'est pas maintenant, c'est un autre jour. Mais elle va payer sous Roman Wright, croyez-moi. Bailey qui me relève. Je sais pas ce que a Bailey contre Lizzie, mais depuis tout à l'heure, elle s'affronte. Je crois que Bailey, elle a pas digéré la défaite de la semaine dernière. Lacey! Allez. On garde cette échelle. Allez. Aïe, aïe, aïe. Allez. Mais non, ouf. Bailey, Ronda Rousey, ça commence à monter, ça y est. Aïe, aïe, aïe. Ronda Rousey qui a balancé Bailey. Sonya Deville qui arrache les fesses de Ronda Rousey. Et Dakota Kai qui attrape Lizzie à l'extérieur. On va se battre les amis jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Lacey Evans. On n'a plus de jus. On va leur se battre sans. Fatigué. Fatigué. Oh. Fatigué. Mais non, pas Nia Jax. Pas Nia Jax. Non. Samoa Drop. Sonya Deville maintenant, mais c'est quoi ces bails? Ouh, coup spécial sur les ailes. Ça fait que de bouffer. Et non, pas Dakota Kai. Mais c'est quoi, c'est un train ou quoi? C'est qui va tenter son coup spécial en premier? C'est une chanson? Oh. Oh, 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 on se calme. Tout va bien. Oh, dropkick. Ah, c'est pas bon, hein. Comme moi, elle subit le même traitement que moi. Ils l'empêchent, ils se mettent à 6 carrément. Peyton Royce toute seule. Non, elle va pas le faire. Hein. Elle va pas le faire. Hein. Ça va être euphorie à Sydney hein, si jamais elle gagne. Oh. Et les amis, ça va être euphorie en Australie si jamais Peyton Royce gagne. Hein. Je vous le dis. Hein. Il va y avoir une fête jusqu'au lendemain. Ah. Mais non. Non. Aïe, 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 aïe. Le truc, c'est qu'en plus, on n'a pas de contre. Donc, c'est très compliqué. C'est vraiment très, très compliqué. C'est pas comme dans un ladder match 1 contre 1. J'aurais... Je vous avoue qu'on aurait déjà gagné. Vas-y, je suis plutôt bon au niveau ladder match en général. Après, évidemment, c'est pas le même délire. Sachant qu'en plus, Lizzie, elle a plus beaucoup de jus. Elle est fatiguée. Donc tout ça joue un petit peu. Je m'en fous de Nia Jax. Voilà. Powerbomb. Allez, on va faire payer à Nia Jax. C'est affront. Ah, Nia Jax, allez, c'est 20, pardon. Je raconte de la merde. On va faire payer cet affront. Voilà. Voilà. Oui. Nia Jax qui vient d'envoyer Lizzie par-dessus cette troisième corde légendaire.
Il dit qu'il y a deux finishers. Est-ce que ça suffira pour gagner cette mallette? Tandis que Nia Jax a la mallette en main. La mallette. La mallette en main. L'échelle en main. Parce que si elle avait la mallette, elle aurait gagné. Alors, attendez. Ronda Rousey, attention. On se dirige. Allez. Allez, on a failli gagner cette mallette. On est à ça. Il faut juste qu'on monte encore un petit peu. Et je pense qu'on va être Miss Money in the Bank, pardon. Je pense. Il suffit qu'on monte une dernière fois sur cette échelle. Et c'est gagné, les amis. Mais... il va falloir. Il va falloir se concentrer jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'à la dernière seconde. Oh là là. Oh! Mais Sonia Deville, qu'est-ce qu'elle a sur moi? C'est pas possible, ça. Depuis tout à l'heure, ça s'échange, là, Dakota Kai, Sonia Deville. Ils ont un problème, c'est pas possible, dites-le moi. Bailey, Bailey to Bailey! Sonia Jax! Elle l'a mis, hein. Elle l'a mis sec! Allez. Je sais que si on monte une dernière fois, qu'on a la chance de monter une dernière fois. Voilà. Mais non, mais l'échelle, non? Oh, oh. Voilà. C'est vrai, j'avais oublié que les boutons ont changé. Et ouais. Running Bulldog. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Mais non. Mais non. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non. Mais non. On est nul, nul. Oui, 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 oui. Oui, c'est ça qu'on veut. Excusez-moi, moi je suis parti en euphorie. C'est ça quand je joue, je commence à gueuler. Ah. Allez. The winner of the 2020 Miss Money in the Bank. The Alpha Warrior, Lizzie Dixon. On a donc celle qui succède à Carmella, à Bailey et à toutes les autres qui ont cette mallette. C'est beau. Bordel de merde. C'est très très beau. Donc du coup, on a nos résultats. Daniel Bryan et Lizzie Dixon sont vos Miss et Mister Money in the Bank. Surtout qu'il y a Kushida également qui est Mister Money in the Bank d'NXT. On a une belle perle rare, n'est-ce pas Kevin? C'est ça. Les amis, au prochain show, le 16e épisode, déjà 16 épisodes, nous aurons Raw. On va se diriger vers le pay-per-view Backlash, les amis, le pay-per-view du mois de juin. Ça m'a fait un grand plaisir de commenter ce magnifique pay-per-view qui est Money in the Bank. Malheureusement, aucun membre de l'Anarchie n'a gagné ce Money in the Bank leader match masculin. Mais c'est pas grave. Dites-vous par commentaire quel est l'avenir pour nous trois, enfin pour l'Anarchie en entier.
Donc, bon, j'ai perdu personnellement mon titre nord-américain face à Jeff Hardy. Mais du coup, quel est l'avenir pour moi après ce Money in the Bank? Ben, on va se diriger vers un nouveau titre. Et je pense, vu que je suis principalement dans le roster de Raw, je vais aller chercher le titre des États-Unis. Ouais. Le titre des États-Unis qui est actuellement dans les mains de Roman Reigns. Ça veut dire que je vais commencer très très lourdement contre Roman Reigns, mais ça ne veut rien dire. Je ne vais pas directement affronter Reigns, ça serait trop simple. Je vais devoir évidemment monter par échelon, c'est-à-dire affronter les prétendants, en fait. En plus, je suis le prétendant numéro 1 au titre des États-Unis. C'est ça, ça c'est bien, c'est très bien. Mais je pense que je vais devoir me battre. Je pense que je vais organiser un Fatal 4-Way au prochain Raw avec Alexander, Rey Mysterio et Cena. Et si je le gagne, et ben là, j'aurai vraiment. Pour moi, je serai vraiment le prétendant numéro 1. Parce que pour moi, être prétendant numéro 1, c'est trop facile. Je me dis que pour moi, là, actuellement, même si je suis prétendant numéro 1, je ne mérite pas la ceinture. C'est dur à dire, mais c'est vrai. Genre, je sens pas, en fait, j'étais concentré sur le championnat américain du Nord. Et j'ai pas vraiment, je suis pas vraiment concentré sur d'autres titres. Donc, du coup, il va falloir que je me batte. Kevin Payne, du coup, c'est quoi la suite pour toi? Vu que, du coup, est-ce que tu continues ta rivalité avec Buddy Murphy et Rollins ou tu vas te diriger vers un titre? Pour l'instant, je pense que je vais continuer cette petite rivalité. Ok. Histoire de monter tout doucement dans la hiérarchie. Ok. Tu vas continuer. Chercher un titre. Tu vas continuer, du coup, ta streak. C'est ça. Et du coup, Drago, le dragon polonais, la légende polonaise, est-ce que tu comptes probablement, pourquoi pas, aller chercher un titre? Ou est-ce que pour l'instant, comme Kevin, tu aimerais, attendre un petit peu? Pour l'avenir de Drago, je veux défier Drew McIntyre! Comment te dire que Drew McIntyre, il a déjà Daniel Bryan ou Braun Strowman, évidemment, sur son cul. Donc, comment te dire que... attends, t'es dans quel classement, toi? Alors, attends, je vais juste vérifier quelque chose. Est-ce que t'es dans un classement pour un titre mineur ou majeur? Universal, tu n'es pas dedans. Vérifie vite fait. Non, non. Ok, tu dois être plus vers SmackDown, toi. Je pense. Ok. Non. De toute façon, on verra. De toute façon, je vais réorganiser un petit peu les rosters en off. Et puis, je vous dirai tout ça en temps et en heure. Mais ok, si tu veux attaquer Drew McIntyre, eh ben, vous inquiétez pas. On verra ça. Pour l'instant, pour Backlash, le main event de Backlash pour l'instant, c'est Kevin Owens McIntyre. Après le reste, on verra les amis. Je vous invite à liker, commenter, partager. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à activer la cloche, c'est très important. Review, preview, vlog, émission, show, let's play. Vous pouvez retrouver tout ça sur notre chaîne YouTube The Anarchist. On se retrouve même heure, même chaîne, même endroit pour le 16e épisode de notre mode univers avec deux personnages. Merci à vous tous, merci à l'ange bleu, merci à Kevin Payne de nous accompagner chaque soir, chaque show, chaque review. Et vous allez pouvoir suivre nos aventures si vous vous abonnez. Donc abonnez-vous, il y a vraiment beaucoup de contenu qui arrive, notamment des vlogs inédits. Je ne vais pas vous révéler, sinon ce serait trop de surprises à vous dire. Mais on verra ça. Merci à vous tous. On se retrouve très prochainement.